Tu sais, il y a, et pile au moment, il y a une notification personnelle. Voilà, dès que le sage est prêt, nous lui ferons le raid. Bah écoute, j'ai déjà lancé, merci à toi de proposer. Je vais retourner ce peinard pépouze sur du Minecraft. Écoute, j'étais bien. J'ai envie de faire la suite de Allez. l'exploration en votre compagnie. Ok, Merci à bah. tous. Du Ouais, coup, on merci. pourra. Alors, du coup, je fais retour, je fais quitter parce que le jeu, il est compliqué à quitter. Voilà. Alors, faudra que, veuillez patienter, faudra que je le remplace. Veuillez patienter le temps du raid. Ce sera mieux. Faudra que je change la phrase. Alors, ah ben, bah, comme ça, je pourrais faire aussi un coucou à l'ami. Pour l'instant, on fait de la discussion. Alors, patienter le temps que je passe le raid. Voilà, j'ai trois maintenant, j'ai trois sages de Nancy, comme ça je peux pas me tromper. Oh là, tu m'as Des fois cloné. j'en ai deux. Vidéo de succès. Ah, bien. Voilà, ça y est, on est parti chez toi. Oh, merci. Voilà. J'ai coupé. J'imagine qu'il y a une vocale ouverte sur ton second message. Ah oui, j'y pensais plus, c'est vrai. Attends, attends, attends. Bien sûr qu'on peut. Vous devez Merci rester pour le parmi. relais de chaîne, mon cher FunFan. Oula! Oui, j'allais dire si Discord veut bien arrêter de bugger. Ah. Ouah, ça m'a fait peur. Ah. Alors, attendez voir. Normalement, c'est bon. Oh, je suis tout seul! Incroyable, mais vrai, mais je suis tout seul dans le jeu, tiens. Oh, le bazar dans mon inventaire depuis tout à l'heure. Waouh! Je suis un Inuit, c'est un igloo. Oh là là. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Yo. Bienvenue. Merci pour le relais de chaîne, mon cher FunFan. Ouais, c'était vachement bien le Gauntlet A4. Et qu'on est très proche de la fin. Ouais, c'est vraiment bien. Donc, prochain épisode. Oh, jolie fracture là. Dans la montagne. Bon, ça. Prochain épisode le week-end prochain. C'est ça qui est cool. Bien, bonsoir. Je suis Edge. Bonsoir, mon cher Edge. Ou re. Pour ceux qui enchaînent les directs, enfin qui nous suivent en direct et qui enchaînent nos, on va dire, jeux de vases communicants entre chaînes, Moi, c'est la j'enchaîne les folie. vocales. Ah! La première fois que je fais du sucre. Eh, sérieux, je crois que ça, sans déconner, je crois que c'est la première fois que je fais du sucre dans la partie. De J'ai bon Dieu. quasiment 11 heures de jeu sur Gauntlet. Ah, mon Dieu! C'est quoi que je vois courir là-bas? C'est un lapin? Ah oui! Oh le lapin, il. Ouh là là! Ça devient indécent ou alors il creuse un terrier. Bon, bref. Je rigole, mais il faut peut-être que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire par la suite, moi. Je vais peut-être revenir à mon point d'origine. Parce que pour moi, l'exploration de l'épisode précédent est une réussite. J'ai dû théoriquement compléter la carte. Je me demande ce que ça va me donner si je me barre vers là-bas. Et de l'intérêt d'avoir une lunette, hein, télescopique, c'est super important. Encore pouvoir refaire du sucre. Oh, cette cavité. Là, on voit que c'est cohérent. Une capture d'écran. Le petit commentaire. Ah oui, non, mais moi. Ça y est, t'es traumatisé, Jess. C'est gentil, mais chez moi, cher.
c'est vraiment accessoire. Non, encore éventuellement, là, si tu veux vraiment t'amuser, ce qui est rigolo, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était bien. C'était la fonctionnalité, mais c'est gadget, hein, ça, c'est juste pour rigoler. De mettre ta phrase dans le chat qui apparaît dans le serveur Minecraft aussi. C'est un jeu qui peut, qui peut s'avérer être amusant. Et puis c'est pas comme si j'étais pas peu fier. Rebonsoir, dit le signe, pardon, j'ai oublié de te saluer à nouveau. C'est pas comme si, voilà, tu peux t'amuser à ça et que je suis pas peu fier d'avoir réussi à avoir mis en place ce schmilblick. Oh la vache, il y a encore une mer des icebergs, dis donc. Wow, il y en a autant que ça? C'est des ours? Ah non, c'est de la glace. Pendant un instant, j'ai cru que c'était des ours. Je voyais des gros volumes blancs. Et ça aurait pu être des ours polaires. Lapinou. Oh! Un lapinou albinos aux yeux rouges. Le lapinou du mal. C'est bon, je vois. À charge de revanche. Dès que j'ai dit une grosse sonnerie, tu vas l'immortaliser. C'est bien, c'est dynamique aujourd'hui. Alors là, on s'écoute de la musique électronique qu'on s'était encore jamais écouté sur mon antenne. Ça fait partie de la nouvelle sélection d'artistes libres. C'est Fracture Mentale. Mais Fracture avec un K, comme dans Mortal Kombat. Quelle étrange formation glaciaire. Je suis intrigué à tel point que je vais aller au centre. Je finis par me demander s'il n'y a pas une logique telle un volcan. Oui, à plus Bob, il n'y a pas de souci. Je vois que tu t'es mis en retrait. Merci, recoucou à toi. Non, visiblement, il n'y a rien au centre de la... C'est stylé. C'est un sapin au loin, on est d'accord. Hein? Ah, est-il lapinou? Décidément. Pareil que j'essaie de faire un élevage de lapin de ces jours. Mais attends, ouais, j'ai une carotte. Attendez, on va tenter une expérience. Petit. Ah, il deviendra grand. Il deviendra grand. Eh bien, il a mangé la carotte. Le quoi? C'est un... Oh, un village. Eh, c'est bien. Dans le paysage, on voit qu'il y a des structures. Quel est cet étrange village? Isolé au milieu des glaces. Et au centre de la place. Oh, un Yuski. ce serait bien. Alors, autant je suis chat, autant dans la race canine, le Yuski, j'adore. Et c'est un de mes rêves de vie, pas encore exaucé. Un de mes rêves de vie, c'est d'avoir une sortie en forêt, si possible enneigée, avec un usher, c'est-à-dire les chiens de traîneau. Un chat, cette fois-ci, dans la neige. Wow.
Attendez, il y a une maison de glace. Ok. Wouah. Wouah. Il a une chapka, le monsieur. Ding dong. C'est maison. Et pas mal, différents styles de maison. Coucou, je suis là. La cloche. Alors lui, c'est un fléchier. Wow. Fléchier. Oui, oui. pour ne dénoncer personne, certains ici font des plongeoires à base de bouse et de bois. Hein. Comment ça? Ah oh mon dieu, il tâte des miches. Oh, la jolie maison. Ah, mais c'est le géographe. Cartographie. Je sais même pas comment ça marche. Carte vierge et papier. J'ai le droit? Attendez, je vous en chipe une. Alors, carte vierge. Voilà. On va faire un duplicata de carte vierge, c'est ça? No? Non, ça marche pas, désolé. Bon, allez, j'en mets les choses en place. Pardon, je voulais pas vous shipper ça, je suis désolé. Ah merde, je me suis claqué la porte au nez! C'est ballot. Sympa le village. Hop, photo. En souvenir. Bon, je vais essayer de revenir sur mes terres d'origine, moi, parce que. Mais l'étendue glacée, elle est énorme. Attends, au niveau coordonnées, on est où là? Ah, on est loin. Il est vrai qu'on est loin. Attendez, je vais dire. Non, mais non, c'est bien, je prends la bonne direction. Je suis en train de rentrer au bercail là. La vache. Alors, autant en surface c'est classe, autant en sous-sol, je me demande ce que ça donne le biome aussi étendu. Ça me tenterait dans les semaines et mois à venir, si je dois creuser une longue et nouvelle galerie, à mon avis, j'essaierai d'arriver dans cette zone et de foncer vers l'est. Parce qu'en sous-sol, à mon avis, il doit y avoir pas mal de ressources. Ah, je crois que j'arrive à la limite de la glace. Oh, il y a un igloo à l'extrémité du biome. Oh là là, c'est très particulier. D'ailleurs, je me demande si je vais pas passer la nuit dans cet igloo ou si, c'est stratégiquement, ce serait malin. Waouh, trop stylé. Oh, les œufs, je m'en moque un peu. Les œufs, je peux les balancer et générer des poules sur la neige. Peu peu qu'il y en a un qui arrive à être là. Les trucs dont j'ai pas besoin. Oh, je vais garder quand même la chair putréfiée. Mais... Oh, des plumes. C'est ça qui est dingue. Hein. Quand on part en expédition, on revient avec les poches pleines de divers trucs. À chaque fois, c'est pareil. Et là aussi, ça fait partie de la magie du jeu. Allez, go. Ouais, ça y est, je peux aller me mettre dans les draps. Ou encore ton haké coucou.
Ouais, faut que je garde le cap vers là-bas parce que sinon je vais me faire avoir. Oh mon dieu, un crapaud! C'est les nouvelles créatures de la dernière version, ce sont les crapauds. Oh mon dieu. Est-ce qu'on a le droit d'en capturer? J'ai une laisse. Ah non, il me dit dégage avec ta laisse. Ah non, là ça passe. Oh mon dieu! Il m'a fait peur, cet idiot. Mais il me suit. Ah oui. Wow, oula. C'est des montagnes, ça va être la violence. Essayer de rejoindre les sapins. Ah, il y a des vaches. Non, c'est... Ah, wow, joli. Il y a un brado, mais en fait, c'est une faille qui s'est remplie de flotte. Impressionnant. Regardez-moi ça. C'est impressionnant, ça. Merde, et puis j'y vais. Merde, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Oh, la boulette. Rebonjour mon cher Néné. Alors que je trimballe un crapaud. C'est n'importe quoi. La dernière créature conçue dans le jeu. Je sens que le crapaud ne va pas me suivre. S'il y arrive, il y parvient. C'est un miracle. Oh, les fleurs là, elles sont rares. Je vais les cueillir. Ah oui, les orchidées bleues, je les avais pas. Merde, la corde s'est pétée, c'était sûr ça. C'était sûr. Oh, je vais laisser le crapaud. Je vais lui fiche la paix. Honnêtement, j'aurais préféré avoir une chèvre. Encore qu'elles sont violentes, il aurait fallu que je fasse un enclos d'abord. Mais un jour viendra, on arrivera à faire un zoo, on aura tous les animaux du jeu. Ça, c'est un bel objectif. C'est peut-être même un succès d'ailleurs. Oui, je reviens à ton incident de café renversé sur le clavier. Revérifie demain matin si t'as le temps à ton réveil, si tu peux bien le ressuyer. Ouais, alors j'ai fait l'opération d'essuyage avec une soufflette électrique, donc j'ai vraiment bien dégagé ce qui était limite. T'as séché pendant le temps qu'on jouait, je l'ai rebranché, clavier fonctionne. Bon, bah ça va. Mais après, voilà, faut pas manger. Quand j'ai acheté le clavier, je dis j'ai une règle, je mange pas ou je vois pas à côté du clavier. Ouais, bah. Et je l'ai transgressé. Et voilà. La malédiction. La malédiction de la transgression de la réglette. J'ai dit n'importe quoi. Ouais. Bon, il y a beaucoup de sapins là. C'est pire que les Vosges ici. J'arrive plus à progresser. On salue nos amis vosgiens. Qui c'est qui m'avait dit qu'il avait des origines vosgiennes? C'était pas Funfan? Ou qui a un parent vosgien, un grand-parent, je sais plus. Oh, un village. Encore. Je trouve que le monde généré, là, il y a pas mal de villages dans la carte. C'est plutôt enchanteur. Le sage est en train de dire qu'il y a beaucoup de... Dans les mises à jour, il y a plein de trucs nouveaux dans Minecraft. Oui. Ok. Oh, il y a un gamin. Bah viens, gamin. Par ici, gamin. Je t'ai vu, gamin. Quand on est poli, on dit bonjour, monsieur gamin. Tiens, une tarte. Non, je déconne. Tarte gosse. Oh. Non, je vous rassure, je l'ai pas violenté. Je rappelle le geste qui est bizarre de hochement de tête des villageois. C'est en fait qu'ils vous disent non, je n'ai rien à vous proposer à vendre. Parce que l'interface d'échange ne s'ouvre pas de troc, si vous voulez. Mais j'ai pas pu m'empêcher
Ah, si toi, ne confirme Fun Fan. Il a effectivement, ma mémoire m'avait pas trahi, il avait des. Il a au moins un parent vosgien. En plus d'avoir des origines espagnoles. C'est beau le mélange, c'est bien. Un mélange, qu'est-ce que je vois avec quoi, quoi. Eh, alors, dans la lignée de loin, j'aurais pas dire le coquelicot et la pâquerette, de loin, en reculé, j'ai cru que c'était franchement une pocketball. Là, j'ai eu un doute. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, c'est une pocketball. Voilà. La démonstration a été faite. Pourquoi il est bloqué? Il est en train de pisser au pied de l'arbre ou quoi? Je ne sais plus ce que je dis, je suis déchaîné ce soir. Ah mon dieu. Ah, la mer est que l'on va danser. Alors, coordonnées choux. Ah la vache, je suis encore loin du. Je suis encore loin du point d'origine. Mais très presque, j'essaie de me faire un navire là. Ouais, je vais longer la côte parce que c'est vrai que je suis au-delà de la mi-journée. Donc, prendre la mer alors que la nuit risque d'arriver égale danger. Alors que tu me diras, j'ai dormi la nuit précédente dans l'igloo. Mais bon. Oui, j'aurais été idiot à vouloir essayer de venir avec le crapaud. C'était surréaliste, j'aurais pas pu embarquer le crapaud. Oh, pas mal ça. La formation me plaît. La formation géologique. La petite île est jolie. Après, je crois qu'il y a connu de décalage avec quoi le. Oui, c'est possible. 50 minutes, 50 secondes de décalage. 50 minutes, t'exagères pas. 50 minutes de décalage. 50 secondes. Ah mon dieu. Ouais. 50 minutes, c'est plus un stream, c'est un film. Voilà, ouais, c'est ouais. Un replay. Voilà, c'est ça. C'est un rediff. Oui, tant qu'on est entre nous en vocal, mon cher Naïnone, je te recontacterai, je pense, spontanément demain dans la journée pour te dire ce qu'il en est de l'extraction des vidéos de notre promenade là, de vendredi. Ah, je te remercie encore. Ouais. Parce que le peu que j'ai manipulé mon téléphone caméscope, là, c'est que je lui ai dit je voulais éjecter proprement la carte mémoire et je l'ai éteint. Pour extraire justement les cartes mémoire que j'ai réintégrées dans une autre clé USB que j'ai qui fait lecteur de cartes SD. Oui. C'est le support en question que j'avais pour nous filmer. Ouais. Et du coup, je vais extraire les données à partir de demain sous Linux. D'accord. Donc il n'y a pas de problème de mémoire. T'as pas perdu les données? Normalement, non. Les données sont intègres. Normalement, j'ai commis aucune erreur de manipulation. D'accord. Non, je suis parfaitement confiant. Sinon, je te l'aurais dit de manière catastrophée ou éhontée. Ah oui. Non, là, je suis confiant, là. Je vois là, la géologie dont tu parlais, c'est un grand précipice. Dans les... J'ai vu que j'avais 32 ou 36 gigas de vidéos. Donc, ça correspond effectivement à quelque chose comme 4-5 heures de vidéos. J'avais dit 6 au début, mais c'était notre promenade à nous. Mais c'est vrai qu'on a coupé par moment. On a eu notre moment, si je puis dire, d'intimité. Bon, puis c'est normal. Dans le sens que tout n'est pas super intéressant parfois à filmer. Ah oui. Donc sur nos 6 heures. Il y a des gens dans la rue, ils sont gênants. Ouais. Il y a des moments où on disait des gros mots. Il fallait les couper, quoi. Non, on n'a pas dit gros mots. Non, puis même, si on s'échangeait des informations, c'était honnêtement, dans 90% des cas, c'est même pas un secret absolu, intime. Oui. C'est que c'est vraiment inintéressant pour le direct, quoi. Oui, voilà. Ça n'apporte rien, comme faire l'inventaire de nos sacs. On pourra vous le dire dans le détail le soir même. Mais nous entendre dire « Ouais, j'ai pris un biscuit telle marque, ma bouteille, elle est remplie aux trois quarts. Je m'en suis foutu plein les mains avant de... » d'enclencher ma porte et de te rejoindre en extérieur, c'est pas super palpitant. Oui, quoi. Oui, voilà. Si c'est vraiment cet endroit-là. D'accord. Oh la classe, dormir sur la plage. Et là, tu te mets en position allongée avec le coude, la main sur
la main sur la tête et le coup de poing au sol. Ouais. Il existait un mode, je sais plus lequel, que j'avais brièvement essayé, qui en fait le mode, il fallait t'allonger effectivement sur la plage de la nuit et tu étais téléporté dans une autre dimension. Et c'était une manière d'entrer dans un autre monde, c'était assez stylé. D'accord. C'est, ça avait le mérite d'être original. Alors, je vais me faire un navire sur la plage. Vite fait, bien fait. Et je vais reprendre la mer, puisqu'il faut que je me barre là-bas. Au niveau des coordonnées. Oh, c'est beau. Il y a un peu de fond. C'est joli, là, ce que je vais vous présenter à l'image. Pardon. Oui, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Non, mais je voulais rien dire. Je suis en pleine admiration des fonds marins, là. En espérant que j'ai pas de mauvaises rencontres. Le Kraken. Non, il n'y a pas que je sache le Kraken de Minecraft. Oh, je me demande si j'ai pas navigué par-dessus une structure... une structure artificielle, là. Il y aurait une bâtisse sous-marine. Je sais pas ce que c'était, mais... ça faisait vestige englouti. Qu'est-ce que c'est que cette île? Oh, l'île plus tard risque de m'intéresser. Au milieu de la mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Wouah! C'est un portail géant englouti. Get. Wouah! Attends, je vais plonger. C'est dangereux, mais je vais plonger. Je vais jeter un coup d'œil parce que je sens les 50 secondes qui défilent pour voir le spectacle. Ouais. Et là, t'es en exploration depuis ton serveur classique, donc là où j'ai fait mon petit oui. Et tout ça, il y a National et oui, exactement. Non, visiblement, il n'y a pas de trésor. Mais le vestige est bon. J'ai l'impression de faire mon cousteau là. Allez, zou. J'espère que je rejoins le continent. Normalement, il faut que je retourne au point d'origine. C'est ça le portail, ok. C'est un C. Oh, plein de dauphins. J'ai un banc de dauphins. Ils ont pas mis de requins. Ils ont mis des. Non, t'avais dit qu'ils n'avaient pas mis de monstres marins. Monstres marins hostiles. Si, si, il y a des cochonneries dans la mer. Si, si. Il y a ce qu'on appelle les gardiens en plus. Ils ont des pouvoirs, ils sont dangereux. Oh, les dauphins, ils jouent avec moi. Attention, ils font du foot à leur manière, du foot aquatique avec les algues en surface. Je crois qu'il y en a un qui a marqué un point. Oh, c'est stylé, les fonds marins par ici. La balade, elle vaut le coup. Waouh. Ah, je suis impressionné. Attends, est-ce que je me dirige vers 0-0? Ouais, c'est bien, je me dirige vers 0-0. Non, si vous voulez parler des créatures aquatiques hostiles que sont les gardiens, quand ils seront présents, éventuellement peut-être un jour en vocal, ou ne serait-ce qu'à l'écrit, Nashevman et Monsieur Poupon, ils ont un haut niveau supérieur au mien dans Minecraft, ils m'impressionnent. Et ils se frottent, ils se sont déjà frottés dans le serveur là, le mien, ils sont déjà frottés aux gardiens, alors que moi j'évite la rencontre, j'en ai eu un mauvais souvenir dans une précédente partie. J'ai jamais réussi à les patater. Ah. Un jour peut-être viendra. C'est un navire ça? Non? C'est le mât d'un navire, non? Ah oui, c'est une caravelle. Oh, je vois rien. Waouh, non, au secours, je suis rentré dans le navire, au secours. Je vais me noyer, non, merde. Ah, je vois rien, au secours. Non, je vais mourir. Je vois ça. Non, vite, la surface, au secours. Ah, j'ai vraiment eu des chocottes, là. Ah, c'est bon, t'es bien d'être. C'était horrible. Oui. De la dangerosité, parfois, de faire n'importe quoi en mer. Et c'est marrant, les cubes du navire, ils sont en décalé, ils sont penchés.
Ouais, c'est beau, c'est bien fait. Attends, je vais longer la côte parce que là j'ai eu trop les chocottes. D'être en pleine mer, ça m'a mis la frousse. Ah bah non, j'ai pas dans la bonne direction. Merde, j'ai pas dans la bonne direction. Alors là, demi-tour. Oh là là, j'ai perdu mon sens de l'orientation. Malheur à moi. Non, non, il faut que je contourne l'île. Hop, et t'as perdu quelques coups. Je dois pas être très loin de notre civilisation là. Quand tu sélectionnes le pain, j'ai l'impression que ton jeu est en anglais et qu'il y a marqué souffrance. Oula. Parle pas de malheur. Je parle que sur. Je sais que c'est. En français, s'il vous plaît. Ah, j'ai cru l'entendre un dauphin. Il y a un dauphin qui a dû me saluer. Et là, t'es tout seul sur le serveur ? Oui. Oui, si tu veux me rejoindre, d'ailleurs, tu peux. C'est vrai que je t'avais mis en liste blanche. Si le cœur t'en dit. Pas comme si t'avais pas l'air dans la chambre. Oh, c'est quoi cette structure? Oh, un vestige sous-marin. Oula, des zombies sous-marins. Au secours. Non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il y a un dauphin qui a joué avec moi. Il m'a fait gicler sur la plage. Enfin, tu me diras, je suis arrivé en même temps. Alors. Je vais devoir vous laisser. Ok. Okidoki. Bah, bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous. Salut. Merci, bonne soirée, bonne situation. A plus, CJ, bon courage pour ta semaine. Merci. Et merci à toi pour tout. C'était bien le jeu. Ouais. Ouais, c'était sympa. On s'est bien amusé. Ouais. On a bien évolué dans le. Je pensais pas qu'on allait. On pouvait. Aller aussi loin, je pensais qu'on avait galéré un peu plus que ça, mais on a réussi. Mmh. Ouh, il y a du peuple. Waouh, le peuple. Ah, ah, rentrez chez vous, vous êtes trop nombreux. Je dis n'importe quoi. Ça parle mal. Par contre, ce qui est flippant, c'est de voir le portail en ruine avec un coffre à côté du village. Attends, c'est quoi que j'ai vu? C'est un lapin ou c'est un chat? Ah, c'est un chat. Ceci est un chat. Ah, je suis déjà venu ici ou quelqu'un. Parce que le coffre vide, c'est pas normal. Ah, il y a même FunFan qui te le dit, il n'y a plus 7G. Je ne dois plus être très loin de la civilisation. Oh, le chat qui a attaqué un lapin. Attends, le point d'origine. Voilà, je fonce vers le point d'origine 00. Waouh. Il y a de ces cavités. En même temps, je joue, je m'éclate, et j'ai une partie de ma concentration qui va dans l'organisation de ce soir. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais manger et mettre là-dedans ce soir? Parce que honnêtement, je ne sais pas. De tête, pareil. Là, je sais plus si j'ai dans la ça. Ah si, je sais ce que je vais manger.
J'ai des restes à finir. Wow, cette formation. D'ailleurs, je commençais à me préparer mon repas, donc je vais te laisser le sage. Ouais. Et... à plus. Et puis, bonne semaine à toi si je reviens pas. Ouais, à plus. Et... merci. Bonne app. Bonne cotisation. Merci pour tout, mon cher Naïnone. De rien. De rien. Mais bonne soirée, les viewers du sage de Nancy. À bientôt. Salut. Merci. Bisous à Réglisse. Ah, je vais dormir une nouvelle fois sur la plage. Sur la plage abandonnée. Coquillages et crustacés. Ding 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 ding. Oh, dauphin qui a fait un extraordinaire. Bon, je commence à me poser des questions parce que je suis littéralement au point zéro et j'arrive pas à retrouver repère de nos constructions. Ouh, il y a une bâtisse aquatique. J'ai vu du coup d'œil. Ouais. Oh, les tortues. Tortues. Oh là là. Oh, ces tortues, elles sont nombreuses. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ah ouais. Ok. Alors, je vérifie, est-ce qu'il n'y a pas de cochonnerie dans l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Il y aura peut-être un coffre dans le... S'il y a un trésor, moi je veux bien le shipper. Mais s'il y a un danger, là, pas cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, il y a un zombie. Donc il y a des morts. Ah oui, oula! Oula là! Waouh! Et la tortue est passée. Mais... ah! J'avais pas vu qu'il était en train d'essayer de me becter, lui. Non, je laisse tomber la chasse au trésor. Je veux pas mourir. What? Oula, les zombies. Attends, là, il y a une autre structure. Non, bah j'y étais tout à l'heure. Je me demande si c'est pas des générateurs à zombies, les vestiges sous-marins, là. Oh, y'a de ces trucs. Je sais plus où mettre les yeux, tellement qu'il y a de choses à découvrir. Oh, trop classe, la brèche au niveau de la plage, ça fait stylé. Ça fait cohérent. Bien. Alors, pourquoi j'arrive pas à retrouver notre civilisation? Là, je commence à me poser des questions. Quand je me... oh, un village. D'accord. Là, je suis interrogatif. Là. Je suis interrogatif. Ouais, stylé le village. Oh, mot mot. Ah, dans une heure, on va se faire le tableau mystère. Oh, le village! Oh mon dieu! Entrez chez vous, votre village il est accidenté. Ne restez pas là, malheureux.
Oh là là, ça sent le village à restaurer là, il y a des travaux à faire. Mais pas des petits. Hein. En plus le golem qui est en dessous, alors là, c'est un coup à ce qu'il se fasse bouffer la nuit. À quelqu'un? Ah non, à personne. Une table, deux chaises, un lit, oh mon dieu. Sympa les draps jaunes. Ah, je crois que je me suis encore jamais fait de lit avec des draps jaunes. Merde, la fête. Ah, non, il pleut comme vache qui pisse. Et qui a cochon pas content. Attends, c'est quoi là-bas? Ah non, c'est le désert avec les cactus. Cette musique. Attends, c'est la mer, toujours la mer. Là, ce sont des cochons. Et pourquoi je vois un truc? Alors, oula, oula, oulala. Oh, très original ça. C'est pas au même niveau, hein. Ah, pour le coup, il y a une cohérence. C'est... Waouh! C'est l'île aux cochons, dis donc. C'est quoi? C'est assez naturel? Il est bizarre, ce monolithe. Un monolithe en sable, mais pourquoi? C'est une épave, ça? Non. Ça y est, je vois des épaves de navires partout, moi. Trop bizarre la colonne de sable. C'est quoi ça? Ah. Ok. Trop bizarre. Eh, pas mal l'îlot là en bombé. En plus, c'est en forme de nanos. L'îlot os. Yeah, il y a quelque chose à faire ici, moi je dis. Merde, pardon, je suis tombé de touche. Oh la vache, comme disait MacMahon, que d'eau. Attends, je vais revenir sur le continent parce que... Ah, c'est un banc de poissons. Je me demandais ce que j'observais. Je vais revenir sur le gros des terres là parce que... Est-ce que vous voyez Walou? Hop, une petite nage. Et là, je prends quelle direction? Oui, ben je reviens vers le point d'origine. C'est bizarre que je tourne autour du pot. Ce serait une mer intérieure, ça aussi? Et en fait, ma civilisation serait à l'autre bout, à la rive opposée. C'est... Moi, je suis surpris, au niveau de ces coordonnées, je suis surpris d'être encore largué paumé. Je pensais que j'allais reconnaître quelque chose à un certain moment, mais là c'est toujours pas le cas, je suis perdu. C'est vraiment intriguant. Oh! Encore un portail? Décidément. Wow! Ah! Il a déjà été pillé. Mince. Oh, je fais des bêtises. Navire ou pas navire? Oh, c'est pas naturel, ça. C'est une structure, là-bas. C'est trop bizarre que ce soit en forme de pince. Bon.
pas l'air naturel ce que je vois là-bas au fond des eaux. Ah, le problème c'est que la nuit va tomber. Donc j'attends que le jour arrive. Oh écoute, j'ai envie de dire les tulipes sont offertes par la maison, je vais les cueillir, hein, ce sera pas perdu. Pendant que la nuit arrive. Ah, je reviendrai avec différentes fleurs. C'est l'avantage. Allez, à moi les tulipes. À moi les tulipes. Bien plaît. Bon, c'est bon. Mince, je peux pas dormir encore. Ah, yeah. Merde, faut que je me refasse un navire. C'est vrai que l'autre, je l'avais abandonné. C'était à cause des dauphins. Il y avait un dauphin qui m'avait éjecté à Pétaouchnik. Faut que je me refasse une barque, moi. Allez, go. Alors, si je vais en face... Oui, il se passe quelque chose. Merci, c'est gentil. Oh non, c'est bizarre. Faudrait que j'aille par là-bas. Remarquez, il y a une mer de glace. On va voir. Ça va, c'est le début de la journée, je vais faire le tour. Merci, bonjour, exclamation. Exclamation. Bonsoir et bienvenue. Ah oui, c'est un ours qui flotte. C'est un ours en train de flotter. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Mmh, mmh. Mer de glace. Mmh. Mmh. Eh oui, merci. Bah, disons que c'est potentiellement symboliquement un membre de la grande famille Ponctuation. Ce qui ne m'étonne guère au final. Wow, qu'est-ce que je vois? On dirait presque une sortie de sous-marin, le machin. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, ce truc. Oh, une boule de feu! Non, je peux pas tout prendre. Oh mon dieu. J'ai vu des choses. C'est quoi ça là-bas? Wouah. Mais attends, je peux plus... Je peux plus rien prendre. Je ne peux plus rien prendre. Alors, faut que je jette la flèche. Je vais jeter les graines de blé. Les cactus, lui j'en ai, je m'en fous. La ficelle aussi, à vrai dire. Le reste, encore, si je peux essayer de les garder, parce que c'est pas forcément commun. Ah non, mais c'est un piège, le truc. Oh là là, mais non, mais ça attire les golems, j'allais dire. Les zombies des mers. Les zombies noyés. Oh là là. Mais hey, je dois pas être loin de... Attends, c'est quoi là-bas? C'est des algues? Ouais, c'est des algues. Attends, je suis perdu.
Et si je vais vers là? Ok. Faut que j'essaie de foncer vers ce cap là-bas. Sauf que sérieusement, je reconnais rien. Je reconnais rien du tout. Il va falloir que je regarde bêtement sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure sur internet. Le... Comment on appelle ça? Le... Mes coordonnées de... De mon monde civilisé, quoi. Attends, c'est quoi ça? Il y a des icebergs. Dans la bande. La famille ponctuation. Je suis intrigué. Ça, c'est pas la côte du continent, ça? Parce que c'est pas petit, en fait. C'est bizarre. Ah, ça m'intrigue fortement. Tant qu'il fait beau, hein, je continue la navigation. Je vais pas m'arrêter en si bonne route. Aussi bonne route maritime. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un bras de mer? C'est l'océan? C'est trop étrange. Ah, la magie de Minecraft, dis donc. Là-bas, ouais, il y a le biome de la jungle. Ah oui, c'est sympa, merci. Hop, 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 hop. J'ai failli me manger un banc de sable. Oui, ah non, c'est des poules. Ce sont des poules en surface. Et ça, c'est pas mon continent de... Je vais essayer de mémoriser... Ah bah tiens, c'est mon ancien navire, là où il y avait les dauphins qui m'avaient éjecté. Trop étrange. Chez moi qui me vient de me faire flipper. J'ai dû avoir quelque chose qui est passé devant ma fenêtre. Ne serait-ce un oiseau. Pourquoi je reconnais pas les côtes ici? Je suis si proche du point d'origine. Ah, j'étais arrivé par là-bas tout à l'heure.
Ah, ça pourrait presque ressembler aux plages. Ah, je me demande si je remonte pas vers la civilisation là. Ça me dit vaguement quelque chose. Bah, je reviens là où j'avais trouvé le monolithe de sable. Alors celui-là, par contre, il me dit rien du tout. Ah non, je m'éloigne, je suis plus à 0-0 là. Ah si, je suis pas loin. Bon, je vais me poser là le temps de la nuit, le temps de poser un plumard, parce que... D'ailleurs, c'est pas une île, mais une presqu'île. Ok. Ouais, il est déjà 19h. Alors attendez. Que je revoie ma carte, moi. C'est bizarre, genre. Eh, je reconnais pas. Il faudrait que je sois. À 0 mais Z 0 mais Z 600 ou ouais Z 600 on va essayer. Zéro et Z 600. Bah, je suis vraiment très proche. Je suis vraiment très proche. C'est trop bizarre. Et Z600. Ah non, bah je repars. C'est trop étrange. Aller au niveau du continent en face. Il y aurait de la glace. Ah, je suis perturbé par mon exploration là. Ça me fait flipper. Ce serait au-delà de cette mer d'iceberg. Le bon cap serait celui-là là-bas. Alors là. Eh, pas mal l'iceberg en forme de portail. Ouais, mais je m'attends à voir des bancs de sable, pas des pains de glace. Oh là là, je peux pas passer partout là. D'accord. Et ça, ce serait notre continent en fait. C'est moi où j'ai vu. Non. J'ai cru qu'il y avait des installations humaines, du genre des torches ou des bâtons, mais non. Continuons.
Ah, il y avait une tortue en dessous de moi. Petit flop 22. Bonjour. Quoi, le santé algérien? Alors j'ai pas parlé de l'Algérie, mais ça me fait penser à une amie qui est en maison de repos, qui est d'origine algérienne. Ça me rappelle des souvenirs. Je dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas de ces nouvelles. Bref, c'est j'ai rebondi sur le mot clé, donc je suis complètement détaché de. Ça a ni queue ni tête, comme on dit, c'est complètement décousu mon propos. Attends, mais je suis où là? Attends, j'avais dit. Oui, mais faut que je sois à zéro. Ah non, ça va pas mon truc. Ah, je suis pas doué en orientation. Je suis pas doué. Faut que je fasse dans les coordonnées là, la ligne X, YZ. 0 quelque chose. Bon, là, ça va être la surface de la mer 62, 64. 0, 64, on va dire, et 800. Attends, je vais aller par là. Voilà, je fais un tracé dans la mer, je suis complètement largué. Oh, c'est la folie. Oui, c'est mignon comme pseudo, petit flop. Par contre, quand la nuit tombera, il faudra surtout pas que je me trouve dans la zone des icebergs, parce que, enfin, je dis ça encore, mais poser un lit dans les icebergs, c'est pas top. Attends, mince. Je comprends plus rien. Et là, je m'éloigne. Bah merde alors. Minecraft est en train de me rendre fou. Bonjour, cadeau Anthony, j'espère que tu vas bien. Je suis perdu en mer, j'ai pas l'air idiot. Je suis perdu en mer, j'ai l'air d'un ego. Attendez, bon là je suis en pleine mer, je vais relire mes coordonnées là parce que je deviens fou. Ma maison par exemple, je suis quasiment à 0-0. Enfin 0-0. Non, 0-0 c'est on va dire 0 x y z. Oui, bah 0 si je fais 50-50, tout simplement, si j'essaye de me mettre en objectif, j'essaye d'atteindre 50-50, c'est maison en fait avec mon cousin. Alors c'est pas possible, je suis fin nul. Donc, ah oui, alors, il faut que j'aille au-delà de l'iceberg. Oula.
Vite, que je trouve un passage à travers la mer d'iceberg. Non mais je suis nul. Il faut que je trace à mort vers là-bas. Ouais, c'est ça. Normalement, il faut que je fonce. Et là, je rejoins mes terres. Ouais, ça va tranquillou, merci, comme un week-end, bien, passer entre copains. Ouais, c'est cool. Ouais, ça va, Ken Anthony, c'est cool. Là, c'est pas trace de civilisation. Ah non, c'est des fleurs. C'est pas un piqué de quoi que ce soit. Oh, 50-50. Nice. Alors, quand je suis là... Non, il faut que j'aille au-delà du désert. Ça y est, je pense que j'ai trouvé. Il faut que j'aille au-delà du désert. J'ai craché le navire. Sinon, il faudra que j'aille me dormir là la nuit. Heureusement que j'ai mon lit sur moi. Alors, attendez. Ah, c'est affolant comme je reconnais pas mon continent d'origine. Et ça, c'est pas un village que je connais, ça. Ça va être un village proche de là où je suis. Attendez, je vais poser ma tente dans le... Bah, c'est le village de tout à l'heure où je disais il y a le portail qui est tout proche. Pourquoi je le verrais pas dans ma carte? Je suis en passe de devenir fou. Tant pis, je me mets là-dedans. Ah non, mais là... J'ai un village, moi, de... Là, il y a un village. Mais il n'y a pas de portail. Non, puis là, il est pas dans le désert. Ah, c'est celui-là. Le portail est là, le village est là. Et il faut que je fonce vers là où il y a les deux. D'accord, ok. Là où il y a les deux. Oh là, attendez. Le village, les deux branches. Il faut que je fonce tout droit là-bas. Ok, c'est bon. Wow, il va falloir que je balise plein de trucs dans les mois à venir. Ce village apparaît bel et bien sur ma carte. Ok, ma baraque d'origine, elle est vers là-bas. Ça y est, je me sens mieux. J'ai un point de repère commun avec ma carte en ligne. Wow. D'accord, j'avais pas faux quand je disais que le biome des arbres là africain ça me parlait. Check musique. C'est quoi, c'est de l'herbe? Oui, non, c'est des herbes hautes. Oui, c'est ça. Oui, là, ça me parle. Ça, j'ai déjà arpenté, ça, par le passé. Eh ben dis donc, j'aurais fait un sacré voyage. Ah, home sweet home. Oh, que je me sens mieux. Mais impossible de me repérer.
Heureusement qu'il y a le système de coordonnées, hein, parce que je me serais perdu depuis longtemps. Ah, qu'est-ce que je fais? J'y vais à la nage? Bah, je suis plus assez prêt. Ah, le plaisir d'être retour chez soi. Oh, le soulagement. Alors, hop, pour remonter, parce que c'est quand même un peu... un poil sécurisé. Ah, oui. Ah, oui, la joie. Ah, les chevaux, les matous, ça y est, on va retrouver tous les animaux domestiqués. Ah, il y en a des choses. Ah oui, le bazar. Ouais, les fleurs, les orchidées, je vais les garder parce que c'est rare. Hein. Tiens, pourquoi le composteur est dans le coffre et pas dehors? Faut le laisser dehors, le composteur. Ah bah j'en ai déjà un. Bon bah j'en mets un deuxième, allez hop. Oui bah le lit, hop, en bonus. Les plumes je les gardais parce que ça sert à faire les livres éditables si j'ai un bouquin et de l'encre. Ah bah voilà le sucre, non je disais... Ou alors c'est le cousin qui a fait le sucre, je sais plus. Mais ça faisait très longtemps que j'avais plus fait le sucre dans le jeu. Ouais, le reste après c'est accessoire. Non, tant pis. J'ai voulu essayer d'avoir une autre poule, mais non. Non, il dit rien au doudou. Bon, il reste sur Plumard. Oui, d'ailleurs, je vais marquer, hop, voilà, dire que sauvegarde, hop, au niveau du lit. J'ai pas une armure, un porte-armure de libre. Bah voilà, parfait. Parfait, ça complète la collection. Nickel. Nickel chroma, c'est beau. Et ben voilà, deux armures complètes au niveau de la cheminée. Faut que je fasse une photo. Eh bien. Je vais précieusement ranger les deux plumes. Encore que les deux plumes, c'est facile à obtenir. Il suffit de trucider une volaille. Mais c'est quand même... J'estime que c'est un bien précieux. Donc voilà, je vais ranger ça. Les fleurs, ouais, je vais les mettre là en attendant les orchidées bleues. J'en ferai rien pour aujourd'hui, donc... je vais mettre ça dans mon coffre perso, ce sera pas perdu. Pardon. Pardon, pardon. Mon interface, il me manque, voilà mon truc spécial. Ce qui me permet de voir sur l'écran secondaire l'heure. Il faudrait pas que je loupe l'heure du tableau mystère avant de rendre l'antenne. Oups. Alors, il me reste une petite demi-heure de jeu. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être retourner sur ma plateforme, là où je suis en train de construire. Et puis peut-être pêcher un peu, ouais. Niveau monture, qu'est-ce que j'ai au niveau des chevaux? Oups, la porte. Ok. Oh tiens, celui-là, il a pas de... Il est entre guillemets libre, il a pas d'équipement. Gripoil, je repars avec Gripoil, mon tout premier destrier. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il se cabre. Et il a son petit caractère aussi, Gripoil. C'est pas mon meilleur cheval. Chaque cheval a son caractère en fait dans le jeu Minecraft. Et là, je sais pas, Gripoil se cabre assez facilement. Non, c'est Café au lait. Celui qu'on va voir à mon arrivée. Enfin, pour ce qui est du cheval, parce qu'après, je vais faire un
voyage avec les Charlemagne. Café au lait, qu'est-ce un meilleur caractère? Eh bien, merci à vous d'être là. Je suis ravi de pouvoir vous divertir. Bah alors, j'ai un mouchon devant moi. Ah, ma carrière, je vais pas tarder à creuser davantage dans la carrière. Point que ouais, je vais le mettre avec café au lait, je vais descendre là au niveau de la mine, ce sera mieux. Voilà. Il est là, café au lait. Voilà, ils vont se retrouver les deux copains. Oh le lapin, oh le con, le lapin, je savais pas qu'il pouvait sauter dans la marmite, mais il va se noyer cet abruti, mais il est mort, mais c'est nimpe. Non mais je crois que le lapin est mort noyé. Le lapin dans la marmite, il a sauté. Voilà, adieu le lapin. Je sais pas si je peux récupérer. Non, y'a rien, je peux pas aller dans la marmite. C'est pas grave. C'est trop étrange. Ah bah non, les deux lapins sont là. Non, j'ai pas compris. Ah bah y'a Monsieur Poupon. Monsieur Poupon qui est là. Eh ben, j'ai pas les rideaux moi avec le sable. Elle est bien bonne. Alors, je vais prévenir Monsieur Poupon qu'on est en direct. Bonsoir Poupon. Alors, attention. Nous sommes en direct. Jusqu'à 19h45. Bah, j'en ai les yeux qui me piquent. Moi. D'ailleurs, en parlant de yeux qui piquent, je vais peut-être vous éclairer un peu ma tronche parce que la luminosité a bien baissé. Voilà. Au moins, vous devrez mieux me voir. Attendez, je me reste un peu les yeux parce que. Je serai sage, promis. Ouais. Non, je vais aller dans le chariot. Alors. Oh là, il se passe encore quelque chose. Aou. Ça, c'est bizarre, j'ai eu le son de l'alerte, mais j'ai pas de notification dans le logiciel, c'est étrange. C'est un bug. Oh, enfin c'est bien, l'essentiel c'est qu'on soit relax, c'est très agréable. Bravo. De fidélité à la chaîne, ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Oh, c'est bizarre, mon logiciel m'a pas dit qu'il faisait acte de fidélité. Merci beaucoup à l'intéressé. Merci. Tu n'as rien aussi? Oui, ça arrive. Parfois la technique ne suit pas. C'est pas grave, c'est accessoire. Normalement, je le verrai tout à l'heure quand je saluerai tout le monde au moment de l'antenne vers 20h du bois.
Je reverrai dans mon historique et je pourrai saluer l'intéressé. Ou alors c'est un pur bug. Hein. Je sais pas si c'est affiché un texte sur mon direct. Et comme j'ai pas mon retour, ça peut se produire aussi. Eh ben dis donc, on aura voyagé. Voyage. C'est limite si le chariot repart pas tout seul. C'est sans importance. C'est presque un peu dommage que je fasse le voyage à vide. J'en fais de plus en plus de voyages à vide. Oh mon dieu, c'est la nuit. Arthur, c'est la nuit. Ah, c'est gentil, Poupon, merci, bonsoir. C'était pas une obligation. C'était juste pour prévenir. Ouh, je vais pêcher des belles choses. Ah oui, alors là, pour le coup, j'ai marqué mon lit ici pour dire que si je devais mourir, je voudrais apparaître dans ma maison, dans cette localisation. Voilà, c'est bien. Nickel. Mistress, take care of us. What? Mince. Ah, il y a des musiques expérimentales, Fun. Hop là. Bah, mince. Oh, je pêche une étiquette d'entrée de jeu. La classe, c'est rare ça. Ben, c'est pas courant. Wow. Ah, poisson globe, je l'ai vu. Si vous voulez parler de tout et de rien, n'hésitez pas dans le chat. Poupon qui nous dit j'ai le don d'ubiquité à la fois dans le jeu et ici. Oh! J'ai pêché. Ah non, c'est son. J'ai pêché. J'ai cru que j'avais pêché un bateau ou un pirate pêche. D'ailleurs, je vais retirer mon bouclier, ça sert à rien. I'm sorry.
Je vais faire un test qui me fera jour d'aller pêcher un petit peu plus loin là au milieu du pont. Voir si ça change pas les chances. Rien que sur quelques mètres. D'ailleurs, je vais me gérer l'enchantement. Comme j'ai un niveau 31 d'expérience, c'est dommage que je meure. Mais si la musique vous plaît pas, je passe à, sur un autre artiste. Hein. Si vous êtes loser à dire que vous souhaitez passer à autre chose, je peux zapper pour vous. J'avais dit enchantement. En même temps, enchanter quoi? J'ai du matos qui est pas trop bousillé, j'ai quasiment du matos neuf. Je tente de faire quoi? Une pioche, ouais, j'ai pas mal de pelles. Ouais, on va tenter de faire ça. Bah non, j'ai pas créé la cloche, je suis un idiot. Du coup, je vais ranger ça là. Bah non, la pièce vide, j'en prends 3 pour la chaque fois. Voilà. Au moins, je reviendrai pas sur mes pas. Faut aller à la bibliothèque. Voilà. Alors là, c'est la déception. Un tel niveau d'enchantement et avoir juste un effet. J'arrive plus à descendre dans l'air. Elle est un peu forte. Oui, alors attendez, je vais zapper. Attendez, je vais zapper. On va passer sur autre chose. Sur de la techno! J'aime bien. Ça y est, je me suis perdu dans mon... Voilà. Ah non, il m'a remis... mais je vois plus le chat. Pardon. Ah, s'il me fait ça, je vois plus le chat. Il me fait une superposition de fenêtre, ça va pas. Voilà, là c'est bien. Pour que je puisse vous lire quand même, ce serait malheureux. Oui, alors je disais, il faudrait que j'aille un petit peu plus loin pour pêcher, voir ce que ça donne. C'est du poisson. Mais est-ce que je pourrais pas avoir des objets? Là, c'est le festival de la morue, là, excusez-moi du coup. Ah, j'ai pêché quoi? Une selle. Sympa, ça fait plaisir. Là, c'était encore une morue, ça s'est vu. Bonsoir, ma chère Nan. Alors, ça va de mort ou quoi? Ouais, ça pêche tranquillo.
Là, je suis au niveau de ma plateforme. Ah, ça y est. Hop là. Là, je suis au niveau de ma plateforme, là où il y a ma baraque. Ah, tiens, j'avais pas fait gaffe. J'ai enfin mon arbre de la jungle. Yes! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, je continuerai à jouer un peu à Minecraft ce soir en antenne. Je serai baba cool en train de dîner. Et voilà, Walou. Dans 10 minutes, on passe au tableau de mystère. Là, vous pouvez le lire, messieurs, mes hommages du soir. Moi, je peux lui répondre Renache. Alors, par exemple, cadeau Anthony, voilà, tu me fais le plaisir de venir me faire un petit coucou. Ça me permet de refaire la communication sur la nouveauté de ma chaîne. Maintenant, il y a des liens entre Twitch et mon serveur de jeu Minecraft. Et du coup, alors je vais te montrer. Normalement, tu devrais pouvoir le faire. Oui, je vois que tu es abonné. Tu as accès à mon icône quand je suis... comment dire, mince. Faut que je reprenne mon navigateur. Attendez, je vais vous faire la démonstration. Avec mon icône, clac, 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 ma tronche en Minecraft, tu peux faire un texte. Voilà, publier texte ici. Donc quand tu écris depuis en fait le chat, ça apparaît dans mon serveur de jeu. Voilà pour la petite démonstration. Et semaine après semaine, il y aura des nouveautés qui vont apparaître. Enfin, du moins mois après mois, je mesure mon propos parce que parfois il y aura certaines semaines, j'aurai pas le temps de bosser à rajouter des nouveautés. Mais il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Donc ça fait plaisir d'être dans le mouvement de se dire que ça va bouger dans les mois à venir. Il va y avoir petit à petit des nouveautés à droite à gauche. Voilà, je vous montre Minecraft parce que je suis dessus, mais il n'y aura pas que Minecraft. Poupon qui réagit. Voilà. Oh, j'ai repêché une selle. C'est ça. T'as tout compris, cadeau Anthony. La condition, c'est de préfixer en fait ta phrase avec ma tête Minecraft pour dire ça va être balancé sur le serveur de jeu Minecraft, le mien, qui plus est. Alors, j'ai un bug que je n'explique pas. J'ai un bug, il faut éviter de faire usage de la virgule dans votre phrase. Si vous mettez une virgule, ça va casser votre chaîne de caractère et il n'y aura pas la suite. Je sais pas pourquoi. Ce que je disais tout à l'heure, je suis assez pessimiste à trouver la parade parce que je suis pas certain que ce soit de ma faute. Alors que Poupon et Nash discutent entre eux, c'est bien. L'ambiance est sympa. Ouais, c'est sympa. Et là, c'est juste un exemple de phrase d'interaction pour faciliter la communication. Pour ceux qui ne jouent pas, mais qui aimeraient interagir avec les joueurs, ça c'est un truc sympa. Mais à terme, dans la boutique, je proposerai pas mal d'options de pouvoir faire des choses. Vous, public, vous pourrez offrir certaines choses à certains joueurs. Vous pourrez, moi, me mettre des bâtons dans les roues et le voir en direct. Wally, Wally, Wally.
Le point, pas de point. Terrible fun fan. Encore, je sais même pas si le point est encore avec nous. Il est peut-être parti depuis, il est peut-être parti dîner. Ouais, bon app hein, pour ceux qui passent à table d'ailleurs, vu l'heure. Allez, dans 5 grosses minutes, on va passer au tableau mystère. Oh, j'ai ramassé un bâton, c'est idiot. Non, mais c'est cool, eh oh. Non, mais c'est cool, ça rend le jeu vivant. Mais non, mais c'est cool. Je sais plus s'il m'entend, Nash. Oh la vache, et les poissons, j'enchaîne là. Wouah, la pêche miraculeuse, allez. Ah, les eaux glacées, ça marche. Impressionnant. Ah, poupon. Les bâtons dans les roues, c'est dégueulasse. Excellent. Et hop. Mince, j'ai merdé mon lancer de ligne. Arf. Je mourrai. Oh, poisson clown. Ils sont rares ceux-là. Ah ah ah. Oh, poisson. Poisson, poisson, poisson. Si si, j'entends, mais il y a un gros décalage entre Twitch et Minecraft. Oui, oui, bon. Ça m'étonne pas. Ok, mais merci pour l'info, Nash. Ah my dear. La nuit qui tombe. Ouais, c'est vrai que c'est pas super éclairé ma plateforme. Je peux peut-être rester un petit peu une partie de la nuit, mais faut que j'éclaire ma zone parce que sinon. Ah, pour voir le bouchon de nuit, c'est pas évident. J'ai ramassé un truc de spécial ou quoi, mais... Ah, j'attends, je suis à 2 sel. Cool. Oh là là, et je vais être le fournisseur principal de sel dans le jeu, là. Sur le serveur, c'est trop classe. Oh, le bol. Intéressant. Allez, ouf. Ouais, allez, je vais me contenter de ça pour aujourd'hui. Je rentre au bercail par sécurité et on va partir sur le tableau mystère. Tomorrow. Tomorrow.
Alors, je vais indiquer Zazie, ces messieurs. Que je vais basculer sur le tableau mystère. Voilà. Alors, fin du direct. Je passe au tableau mystère. Moula. Mystère. À tout à l'heure. En antenne, bien sûr. Ah, ah, ah. Bonne soirée, bonne app. Allez, go. Go, go, go. Il est midi à San Francisco, oula. Attendez. Ah, mon Dieu. Ah oui, on voit quasiment plus, là. C'est la misère. Tableau mystère, bougez pas. Josh Chatty. J'ai failli demander en catégorie Twitch, demander le tableau mystère. Comme si c'était... C'est pas comme si c'était une exclusivité de chez moi, mince. Allez, Zou. Il nous manquait un jeu. 30e tableau. 4 jeux à trouver. Il y en a 3 qui ont été trouvés. Il faut trouver le dernier. Je vais regarder vos propositions. Je vais surtout regarder en fait ce que vous m'avez dit dans le chat. Il est midi à San Francisco, je go miam. Ah bah voilà, merci. Oui, bah, merci pour la partie de pêche. Je la reprendrai hors antenne tout à l'heure. Merci, bonne app, bonne soirée, bisous tout plein. Ah là 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 là. Mais j'aime bien, tu t'acharnes sur le point Fun Fan, mais je crois qu'il est plus là. Je crois qu'il est parti. Je le vois plus. Donc dans mes radars, je le vois même plus. Donc. Ah là 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 là. Vos réponses, il faut que. Ah oui, puis il faut que j'ouvre le. Mon tableur avec les réponses. Mince, j'ai relancé Minecraft. Oh la l'abruti. Oh oh, oh l'abruti fini. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Oui, non, ça va, j'ai ça, ça me rassure. Moi j'ai que je lave. Alors, avait été trouvé Maxed 2 Mechanic SO Exploration. On avait Axia qui avait été trouvé. Et Sky Drive Go Ahead and Jump. Ah ah! Mais il y a un quatrième jeu qui avait pas été trouvé. Je vais regarder vos réponses. Ouais, je vais regarder vos réponses. Ah oui, mince, il faut que je fasse la connexion à la liste de réponses. Il y a 4 jours, il y a 5 jours, oui, non, mais le problème... Ah, Twinsen a trouvé le dernier. Twinsen a trouvé le dernier. Il a fait tomber le tableau mystère. Il fallait s'intéresser à la petite soucoupe rouge. J'ai été vicieux parce qu'en fait, j'avais découpé le cadre de l'image originale. Donc, bravo à vous. Ah, Twinsen a encore fait, au final, tomber un tableau. C'était Star General, le jeu avec la soucoupe rouge. 500 points reviennent donc à Twinsen. Et il y a un nouveau tableau qui va apparaître dans quelques minutes sous vos yeux, le temps que je mette au point tout le bazar. Hop là. Bien. Bien joué. Alors mon souci maintenant, à force de fumer quasiment là toutes les semaines des tableaux mystères, bah, il faut que je pioche dans ma liste. Et c'est moins en moins évident de trouver des tableaux qui n'ont pas été faits. Donc, vous avez gagné le droit de voir ma tronche. Aïe, aïe, aïe. Ah!
que je prépare le... la réception de... de données suivantes. Là aussi, je vais être vilain, je vais faire durer le plaisir, je vais pas regarder vos réponses sur le nouveau tableau mystère, mais je vais vous laisser jouer. C'est juste que moi, ça va me permettre de préparer le relais de chaîne chez je sais pas qui. Et de faire les salutations. On est le 4 septembre. Ouais, non, je prendrai les réponses. Là, je vais noter 4 septembre pour la bonne réponse de Thunsen. Tac, tac, tac. Voilà, nickel. Ah mince, j'ai pas choisi la bonne couleur. Ah. J'ai pas choisi la... Ouais, vert kaki, ouais, il faut que je prenne du rose. Mais sinon, je vais être dans la confusion par rapport aux réponses. Tac, 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 effacer le... Ouais, non, c'est tant pis. C'est pas grave, je reste à plus tard. Alors, quel tableau on n'a pas fait? Grande question. Je vous lirai après dans le chat, hein, vous en faites pas. Non, il a été fait celui-là. Il a été fait. Oh, je suis pas sûr qu'on ait fait le 35. Je vais remonter mon historique de tableau. Alors là aussi, dans le 35, si on l'a pas joué, il y a un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Parce que je l'ai fait étant ado. Mais jeune ado en plus. Jeune ado. Le 35, je suis en train de remonter tout mon historique. Et on a fait le 36, 37. On n'a pas fait le 35. On va faire le 35 ce soir. D'ailleurs, je vais vous laisser davantage de délai de réflexion parce que je vais, par la même occasion, mettre à jour mon Discord avec la... le nouveau tableau mystère. Attention, préparez-vous. Il va falloir que j'efface les réponses. Hop, voilà. Au moins, vous allez pouvoir en faire des nouvelles. Et je vais pas tarder à vous lire dans le chat ce que j'ai loupé de vos messages. Attendez, il est où mon tableau mystère? Il est en bas normalement. Oui, voilà, c'est ça. J'ai dit numéro 35. Numéro 35. À vos claviers. Point d'exclamation. TM, espace suivi de votre réponse. J'attends 5 réponses. Ce tableau mystère est composé de 5 jeux vidéo. J'attends vos réponses. Point d'exclamation TM, espace suivi de votre réponse. Ah ah, on me voit plus du tout. Mais je vais pas forcer la lumière puisque c'est les dernières minutes. Tant pis, vous me verrez à l'éclairage, à la chiasse si je puis dire. Excusez-moi du peu. Voilà, je vais faire peur. Je vais mettre le bras de lumière dans la tronche façon Halloween. Ouah. Alors, déjà, je vais vous lire poliment dans le chat le temps de vous laisser jouer. Il ne s'est rien passé dans le chat. Ça y est, une scène commence à jouer. Mais je vous le dis tout de suite, hein, je regarderai les réponses le week-end prochain. Allez-y, faites-vous plaisir. J'ai plus de voix, il faut que je boive un coup. Attendez. Je vois aussi des vacheries qui défilent. Oui, cadeau Anthony a bien lu. Ah, c'est joli ça, bravo. Aïe, 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 aïe. C'est du joli. Vous le dites, moi. Alors déjà, là, c'est grand plaisir de remercier tous ceux qui se sont manifestés ces dernières heures.
Oula, je vois même que j'ai des messages. Ah, intéressant, tiens. Merci pour les infos. Les intéressés se reconnaîtront. Alors, donc. Que je vérifie plusieurs choses. Ouais, non, c'est bien. C'est cool. Merci à Bozou qui, à ma grande surprise, visiblement, me suivait pas jusqu'alors. Enfin, merci tout plein, merci Bozou. C'était ça tout à l'heure, l'alerte mystère. C'était Bozou69. Merci tout plein, c'est très gentil. L'exclamation, un nouveau membre de la grande famille Ponctuation, suivez mon regard tout sourire. Mais bon, artificiellement, ça fait gonfler les statistiques. Moi, je vous cache pas que je m'en moque, mais c'est rigolo. Mais merci pour le principe. Merci FunFan, hein, donc pour ton relais tout à l'heure. La partie en plus chez toi était géniale au niveau de Gauntlet. C'est encore bien éclaté. Et partie remise le week-end prochain. Encore merci Mademoiselle Waneda ce matin qui m'a fait un. Ou en début d'après-midi, je sais plus. Qui m'a fait un relais de chaîne adorable. Oui, en début d'après-midi, elle m'a fait un relais de chaîne Waneda. Ah ouais, elle est adorable. D'ailleurs, pour ceux qui la connaissent pas, je vais lui faire rapidement sa pub à Waneda. Waneda, elle est. Ah mince, elle est plus dans la mémoire de mon. Bougez pas. C'est vrai que c'est un peu particulier. Elle est dans le giron d'Aerostar, elle est adorable, Waneda. Elle fait pas mal de FPS, mais pas que. Mais des FPS modernes, elle, par contre. Moi, je fais du rétro, elle fait du moderne. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à sa chaîne, elle est adorable. Voilà, puis les précédents, j'avais eu le plaisir de les citer hier. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Encore un régal. Maintenant, je vais regarder à qui je vais faire le raid tout en regardant. Bah, merci FunFan pour ta modération et l'équipe aussi. C'est cool. Nainonet, oui, t'adores les musiques. On s'écoute Atomic Cat là. C'est la bonne trance qu'apprécie aussi Dragon Sky. Il nous en avait parlé. Oui, c'est Atomic Cat. Et c'est de la musique libre et gratuite. Comme quoi, il y a des bonnes pioches. Oui, début d'après-midi, ouais. Merci pour l'info, FunFan. Alors du coup, chez qui je vais vous faire un relais de chaîne en vous souhaitant la bonne soirée, bon courage pour la semaine. Il en faut aussi. je ne vois plus rien dans cette interface, c'est une horreur. Mais qu'est-ce qui me fait mon interface qui est en train de se bugger. Alors, j'ai. Oh, il y a Morbo qui fait en plus Illusion of Gaia. Ça me dit vaguement quelque chose. Alors Morbo, il est adorable, il a quasiment personne en fait. Oh, vas-y voir que je prépare un. Jouez, hein, vous avez encore 90 secondes devant vous. Oui, bonne soirée, bonne app, merci d'avoir été là, cadeau Anthony. Bonjour à ta douce, Amande douce, on peut le dire, qui va reprendre le boulot dès demain, là, avec son groupe de joyeux luron, on va dire. J'espère qu'elle arrive à les mater, les vilains. Enfin bon, moi j'aurais sûrement le plaisir de refaire la causette à l'occasion avec Amande. Elle est adorable. Oh, son pseudo est tellement long que j'arrive pas à. Voilà. À avoir tout sur l'écran. Voilà, si je me plante pas, normalement, on devrait aller chez Morbo Sapin Roi des Gorées. Un garçon adorable qui est en train de me faire de l'illusion au Gaïa. Alors, dès que je peux mettre en lumière Morbo, je le fais. Parce qu'en plus de sa gentillesse, il diffuse rarement. Et peut-être qu'il va vous plaire, ce garçon, de ce qu'il fait, de sa sympathie. Comment ça il est mort les. Quoi il est mort les beaux. Hein qui que quoi. Je ne comprends plus. Que dis-tu. Ah je fallait peut-être que je rafraîchisse ma.
ma page, ouais, j'ai peut-être des résidus de, d'anciens directs. Mais non, il est encore en ligne. Non, non, il est encore en ligne. Non, ça va, ça va. Ouais, non, c'est cool. Prenez soin de vous, bisous. On va filer chez Morbo. Merci à vous d'avoir regardé. Moi, je vous dis samedi. Alors, samedi, peut-être pas la journée. Regardez mon Discord. Je serai peut-être en ligne que le soir pour commenter le début de la promenade avec Ninonet. Donc, je vous dis à samedi. Peut-être pas forcément le matin et ou l'après-midi. Mais samedi, possiblement le soir à je sais pas quelle heure, vers 18h. Voilà, n'hésitez pas à regarder mon Discord pour ceux que ça intéresse. Hop là, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao, merci d'avoir regardé. J'en veux. Et merci vous aussi anonyme d'avoir regardé. Je vais couper l'enregistrement. Et coucou monsieur de Nancy. Merci pour monsieur le raid. De Nancy. Bienvenue à toi et à tous tes suivants. On commence Season of Time ce soir, on en est au tout début. Original la formule. Ah, il est bien Morbo, je l'adore. Prenez une bière. Ah, il m'influence, j'en ai une, mais je sais pas moi, si tu je vais la, la souffler ce soir. Et Phil, enfin, ça me branche pas trop, je préfère les JDR. Paul, va t'asseoir à côté d'Eric. Eric, c'est lequel? C'est toi Eric? Allez. Ça marche, merci FunFan, passe une bonne soirée. Tout le monde est là? Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Et j'aimerais